Forcément il y a beaucoup d'attentes de beaucoup, de beaucoup de joueurs. Euh, on s'est beaucoup préparé, on a beaucoup couru, on a touché du ballon, mais euh, c'est vrai que la base ça reste un ça reste match et, euh, et qui face à, à cette belle équipe d'Écosse. Donc euh, voilà, on est, on est prêt, on a, envie de, on a envie de faire un gros match et on sait que ben, la donne sera forcément différente. On tient compte aussi de, de ce qui se passe et des conditions. Euh, voilà, c'est vrai que le groupe euh, se, connaît, se connaît très très bien parce qu'on a bossé depuis... Plus d'un mois et demi ensemble, euh, des moments très très durs, euh, des bons moments passés, on connaît bien euh, le groupe, on connaît tout le groupe quasiment. Et euh, c'est vrai que c'est toujours en marge, hein. une préparation de Coupe du Monde et, et des matchs de préparation, c'est toujours en marge de ce que l'on vit au quotidien, que ce soit des tournées de, de, de novembre ou des tournées d'été ou du tournoi de destination. Donc euh, voilà, je pense que ça s'est ressenti la semaine dernière. Euh, on a juste envie d'une seule chose, c'est de, de, euh, de confirmer ce week-end et de refaire un, un gros match. On sait que euh, la barre a été, euh, a été euh, assez haute euh, la semaine dernière. On a vu aussi qu'il y a quand même pas mal de marge de progression, donc on est, euh, on est quand même, euh, même content de, de ce que l'on a pu faire par rapport à, au fait que ce soit un premier match. Mais voilà, on sait que les, le match de rugby, c'est un éternel recommencement et qu'on et qu s'est remis en question euh, rapidement dès le début de semaine. Et euh, voilà, il y a l'apport de, de quelques nouveaux joueurs qui, euh, qui ont encore plus envie, donc on va essayer de, on va essayer de, de, de faire un gros match.